coche caractère gras le live et online sous le jeu Assassin's Creed Valhalla, l'ultime commence. Bonjour à tous. On va continuer les Mystery Challenge. Je suis toujours sur Google Stadia, hein. La preuve. Permet, par de fortes chaleurs, de ne pas utiliser la carte graphique et de voir si c'est mieux en Full HD. C'est du streaming. Le streaming de jeux restreamé sur Twitch. Une version un peu différente du Valhalla PC, plus proche de la console, il y a moins de réglages. Ubisoft Connect n'est pas au point, il y a moins d'options. Voilà, le personnage hier dispose de sa cape moderne. Un petit camouflage militaire étrangement moderne. Je rappelle que je suis des canons anti-aériens dans ma base, n'importe quoi. Ok, donc comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu tryhardé. J'ai obtenu 3 médailles d'argent, j'aimerais bien avoir la dernière et même avoir l'or. J'ai même une médaille d'or d'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs, je vous montre ça. Hein. J'ai obtenu une médaille d'or et grâce à ça, on peut débloquer dans Ubisoft Connect pendant une semaine la lame de Skadi. Bon, à savoir. Hein. Alors, si je me trompe pas, il me faut une dernière médaille d'argent. Que c'est ce qui est indiqué afin d'ouvrir la porte secrète. Et tout à l'heure, je tryhard l'épreuve du corbeau. C'est étonnant, normalement, qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Bref. A priori, j'ai obtenu l'or et l'argent sur les deux précédents. Celui-ci me paraît non seulement faisable pour l'argent, mais aussi pour l'or. Bon, ça doit me connaître, hein. Ça c'est pas dur, il faut faire des attaques. Mina aérien de préférence pousse. On n'est pas simple. Celui-ci, ça va être plus dur. Hein. Un pouvoir, c'est des flèches. A priori, je vais la tirer ici avec une flèche. Je rappelle que si je débloque l'argent, a priori, je débloque la porte secrète. L'idéal serait quand même d'avoir l'or en tant qu'affaire au carnaval. Espérer qu'il enquête. Il n'était pas censé être deux. Ça va être plus compliqué. Oh non, il tombe au premier tour. C'est pareil, vous, nom de Dieu. Mal barré. Hein. Ah oui, pourquoi ils sont venus? Oh yes, oh merde.
le coup. Allez, allez, allez. C'est bon ça. Oh, pas de coup. Non. Allez, c'est tombé. En vrai, j'ai laissé son cadavre, hein, c'était pas tiré l'autre. Mais non. Mais je sais pas c'est quoi. Oh, j'ai bien été bien là. De la patience, je pense. Devant toi.
Bon. On dirait qu'en effet, j'ai trop pour moi. C'est un petit méjou, là. Oh, oh. Comme tout à l'heure. Dommage, j'ai perdu là quand même. Hein.
Mais non. Ok, j'ai réussi à garder mon anonymat. Ça, c'est incroyable. J'ai perdu un kill. J'espère que ça va pas m'être fatal. Hein. Bon, mon dernier side 3, j'en ai un viewers, plus 1, durée 21m47s. Non. Oh, il y en a d'autres. Allez, est-ce qu'il y en a quatre? Non. Ah, c'est chaud. Je sais pas si je peux passer par en haut. C'est un moment important. Et merde. Bon, j'ai envie de se passer par la corde. Allez. Thank you.
petite erreur là ne va pas me coûter l'or, ça serait vraiment dommage. J'aurais au moins le bronze, malheureusement. Ouais, je crois que j'ai le bronze. Eh ben, on va dire que c'est déjà ça. J'ai eu mon dernier bronze. Je dois retourner voir Ildaran. Yes. On va peut-être pouvoir ouvrir la porte. Bah voilà, on y voit mes putains de médailles de mort. Hein. Mais mec, c'est du bronze. C'est vraiment une gueule. Hein. Ah, c'est là que j'ai eu l'or. Oui, alors, cette épreuve de l'ours. Si vous voulez absolument avoir l'or là pour débloquer l'arme pendant la semaine où elle est disponible, je conseille quand même l'épreuve de l'ours de l'avant-poste de Velamukan. Vous m'avez vu galérer dessus hier, en fait, c'est ce qui est le plus simple. Celui où vous devez faire des coups de pied au cul pour pousser les gens. Le truc, c'est que vous avez un nombre de coups de pied au cul limité pour les points. Donc concrètement, c'est pas si dur dans le sens où vous ne devez pas les faire tous. Et l'autre chose que vous devez faire, c'est les tuer au corps à corps. Donc en gros, ce qu'il faut chercher à faire. Ah oui, attendez, il y a une troisième contrainte, c'est que vous tuiez les quatre cibles, et donc du coup, pour pouvoir obtenir l'or, et pour avoir ces résultats, il y a trois contraintes. Déjà, vous ciblez les petites cibles avant de cibler les grosses cibles. Pas dur à voir, hein, c'est ceux qui n'ont pas de pouvoir. Ensuite, vous faites un mélange de coups de pied au cul. Donc on a vu hein, que c'était compliqué de trouver des plantes, du coup ça tombe bien, s'il faut faire un mélange de coups de pied au cul et de tirs normaux. Pourquoi? Parce que quand vous faites des tirs normaux, parfois ils tombent. Du coup, vous savez à peu près où vous en êtes, vous le voyez, hein, quand vous avez rempli votre objectif de coups de pied au cul, il faudra donc passer à la suite, objectif de corps à corps. L'autre chose à faire gaffe, c'est évidemment de ne pas aller faire un finish sur les jambes, donc de tuer toujours au marteau. Et vu que vous avez ces objectifs à accomplir, bah du coup il faut d'abord viser les petites cibles afin de tuer l'ensemble de la map au lieu de tuer seulement les cibles. Bon, après évidemment ça demande de l'entraînement, il faut échapper au coup, maîtriser le marteau, plutôt travailler en hauteur bien entendu,
essayer de vider la map sans se faire toucher. Il y en a tellement que tu peux plus que de part. Si vous arrivez à faire tout ça, c'est plutôt simple de tenir. Alors vraiment, hein. Là par exemple, c'était chaud. Allez. On va découvrir ce qu'elle a à nous dire, la vieille. Non, pas vraiment. On n'est pas à la cachette de la mine de dingue, gros. Concentre-toi. J'aimerais voir ce que tu J'ai aussi mes missions quotidiennes, mais je vais y aller après. C'est après. Presque donné. Un petit homme quotidien, ça j'échappe. Et j'en ai d'autres. Tu as tout ce qu'il te fallait? À une autre fois, Eivor. Ah ah, mon petit canon anti-aérien. Hilderan, je suis de retour. Oui, c'est bien. Je sens que tu t'améliores. Tu ne me demandes pas ça par hasard, n'est-ce pas? Naturellement. Tout deviendra clair après avoir ouvert la porte de Freya. Qu'y a-t-il derrière? Tu as l'air d'en savoir long à ce sujet. J'en sais long sur beaucoup de choses, ami des loups. Tu évites mes questions comme s'il s'agissait de flèches. Tu les poses comme si les réponses t'étaient dues. Continue à t'entraîner, Eivor. Il y a une raison à tout ça. Patience. J'aimerais voir tes marchandises. Je n'ai besoin de rien. Dans ce cas, va t'entraîner. Ah, aïe, 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 aïe. Ok. Ok. On s'est fait avoir. On en a encore plein à faire, je suis dégoûté. Ouais, donc il nous faut 6 médailles de bronze et 4 médailles d'argent. Autant dire qu'il faut 4 médailles d'argent. Ah, je suis persuadé qu'on allait ouvrir le truc, mais non. On dirait que c'est le but du stream. Hein. Allez, c'est parti pour le travail. Ruée et frappe. Et attaquer sur 17. Ah, pour moi, celui-là est chaud.
Blague. D'accord. Non mais j'ai fait n'importe quoi là. Waouh, c'était la pire rue. Putain, j'arrive vraiment pas à les rues. Hein. Putain de rue. Me fait profiter de sa force. Que le diable t'emporte. C'est que j'ai que deux cadavres. Ah ouais, en fait, j'ai pas d'armes. Là, il y a une arme. Il y a une arme, ne fait rien. Ah oui, c'est con aussi. Mais quoi? Absolument pas.
c'est sur descente ou pas? Pas du tout. Autant vous dire que j'ai pas le bronze là. Impossible. Ah non, t'es mort. Mais non, mais il y a trois vaisseaux. L'attaque sur des centres, il n'y avait rien. Sur des centres, nom de Dieu. Rien du tout, quoi. Moi, attaque assourdissante, c'est des armes dans le vaisseau, non? Comme il n'y en a pas, on est mal barré. Par contre, j'ai pas mal de... Ah, il y a une arme pourtant, hein. Je vais pas la lancer. Mais non! C'est bien là!
Putain, j'avais 3 points. Ah d'accord, il fait 600. Je me sens bien. Bon, sérieusement, avec tous ces cadavres là. Pas une seule attaque. Me fait profiter de sa force. Oh, le fail. Une fois de plus. Ok, il y en a deux. Je vais pas attaquer sur des centres, évidemment. Des armes, j'ai des armes. Putain, il veut pas. Hein. Ah, si, il y a des armes. Essayez de croiser cette anguille. Thank you.
Assourdissante, bah c'est de la merde. La ruée, bah ça marche pas en fait. Oh le feu a coupé mon truc. Je comprends pas moi ça. Donc, on va les envoyer sur une paroi. C'est tout ce qu'on sort. Hein. Bon, ça je savais pas en vrai. Ben voilà des points. Allez, monsieur. Là, il y a des armes pour toi. Bon, déjà, beaucoup plus de points que tout à l'heure. J'ai plus de vie par contre.
Le beau forage. Mais non, j'ai perdu mon pont. J'avais un pourtant. Je vais perdre. Oh là 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 là. Hey, 330. En un level, je crois, deux peut-être. Faute d'avoir lancé le bordel, hein. Voilà des points. J'ai juste en demander. Oh là là, carnage. Un truc là, mais non. Attends, j'ai peut-être une opportunité. Hein. Ah oui, là. Une attaque autour des sens, ça peut-être bien en plus.
Ah, il y a une massue dans le vieux, je peux pas la lancer là? Putain. Putain, je m'étais bien sorti pour toi. C'est peut-être même 500, je sais pas, on verra bien de toute façon. Je vais déjà acheter les attaques étourdissantes. Voilà. Exprès de viser le mur cette fois-ci. Ma route. Ça fait deux fois. Toujours pas d'attaque étourdissante, hein, yes. Ah ouais, contre les murs, ça fait mal, hein.
Bah c'est tous les coups sont permis alors. Ok. Bâtard. Je me suis cassé, bordel. Voilà. De sa force. Il a refait le coup. Attends. Mais merde, putain, il était là le mur. Ça, c'est fait. Yeah.
Ça c'est bon, ça fait du point. Ah, c'est pas un machin là-bas. Ici. Je me sens bien. Oh le bâtard. Tout ça là, j'ai un moyen que éliminer les assaillants, ça me fasse gagner. Ouais, le feu là, c'est mort. Hein. Ok, j'ai eu mon bronze et ça c'est cool. Oh, c'est beaucoup d'énergie pour lui. Je crois que j'ai mon bronze cette fois-ci. Et j'ai peut-être même eu une ruée à la con là. Une attaque assourdissante. Eh non, c'est vraiment pas ça une attaque assourdissante. Il y a un gros problème quand même à ce niveau-là. Hein. Allez, épreuve du loup. What? C'est quoi ça? En direct. Non, ça marche.
Voilà, du coup. Merde, j'ai oublié le feu. Ah bah oui. Thor me fait profiter de sa force. Une bonne petite cerise. Allez, une mission directe. Ah merde. Pourquoi faut pas rester là, mais... mais sérieux, comment on fait pour remonter là? Oh le con. En vrai, j'ai fait pas mal d'éliminations en direct. Et même des points faibles. Mais bah, pas suffisamment apparemment. Je veux dire, on s'en bat les couilles, je l'ai gagné. Quoi? Ah, carrément. Endormissement d'ennemis et fouille de coffre. C'est même plus les assassinats là, c'est terminé. Je me sens bien. Ça m'a l'air plutôt simple cette histoire, mais... allez les frères, finissons-en. Regardez-moi faire.
entier si j'ai pas foiré ma flèche. Putain. Il y a même plus d'assassinat sur celui-là. Ah, par contre, c'est bien la mine, ça s'accroît. Thor me fait profiter de sa force. C'est foutu. Mes forces revenir. Correctement, le bronze devrait aller vite. Non. Chaud quand même. Oh non, c'est 500, je suis dégoûté. Profiter de sa force.
me sens bien. Ok, j'ai eu mon bronze. J'ai envie de dire, c'est le principal. Une blague. Carrément, ok. Ce bordel. Allez, j'aurai ma première médaille d'argent. J'en doute fortement. On dirait qu'il est sorti le mec. Oh merde. Putain, j'ai eu ma médaille d'argent. Incroyable. Par contre, ça, je suis désolé, mais c'est un bug. Hein.
Aïe, aïe, aïe. Ah, la sortie c'est par là. D'accord. Franchement, j'ai oublié de dire comment faire dans la discrétion. Mais au moins, j'ai même putain de médaille d'argent. Ok, 3 médailles de bronze, donc ça veut dire qu'il doit y avoir un seul restant, c'est celui-ci. Alors laissez-moi quelques secondes. Quelques secondes, ça marche, yes, j'en reviens.
Viens. Tout va bien, allez. Tu as toute ma gratitude. Skeet, René, Vigigar. Derrière.
Thor me fait profiter de sa force. Sans mes forces revenir. Surtout ne pas s'endormir.
c'est que ce vacarme? Pas moyen d'être tranquille. Tu te cacherais dans les broussailles? Ce vacarme.
pas me survivre. Totalement épuisé. J'espère que ces réponses en vaudront la peine. J'avais pas mis le son. Allez, ça arrive. Eivor, tu es de retour? J'ai achevé mon entraînement. En effet. Viens avec moi. Je ne suis pas resté les bras croisés pendant ton absence. J'ai déplacé les derniers rochers. Tu peux maintenant voir entièrement l'entrée. Ceci a toujours été là. Je n'en savais rien alors que la colonie est tout près. Il n'y a jamais de coïncidence quand les dieux se mêlent de quelque chose. Tout se déroule comme il se doit. Je ne vois pas comment on l'ouvre. C'est parce que Freya l'a construite, afin que seul quelqu'un ayant la force et la volonté du Père de toutes choses y parvienne. Ah, c'est pour cela que tu m'as imposé toutes ces épreuves. Exactement. Maintenant, prends et tiens ceci en l'air.
nous sommes venus chercher. Tends la main et prends l'orbe, Eivor. Bien. Maintenant, remets-le-moi. À quoi sert-il ? C'est l'œil d'Odin. C'est lui qui va nous indiquer la direction de l'endroit suivant. L'endroit suivant ? Ce n'est pas le trésor que tu cherchais ? J'en avais besoin. Il va nous mener à la crypte d'Odin. Tu t'es servi de moi, alors ? Peut-être bien. Mais tu es plus fort, et tu as désormais accès à mes armes et à mon armure. Tu n'as pas perdu au change. Continue à t'entraîner. Le Wugreim te sera toujours ouvert. Rends-moi visite quand tu voudras revoir ma collection. Me revoilà. Eh oui, une pomme d'Adam. Quand elle parle d'Odin, elle parle de, probablement du troisième DLC. Ouais, parce qu'on a eu un teaser du troisième DLC, ça sera un monde... un monde de feu. Probablement lié à Odin de ce qu'on a vu. On parle beaucoup de Odin. Et figurez-vous, dans ce teaser, on a trouvé des secrets. Donc il continue de mettre des secrets lourdement cachés parce que figurez-vous qu'il y a des bruits bizarres à la fin du teaser. Il faut analyser avec un spectrographe le son et ça fait apparaître le langage Issou. Le langage Issou parle d'Odin vaguement, on parle pas grand chose, mais ils l'ont très bien caché. Voilà, on a débloqué les défis de maîtrise, le secret. Ah, j'ai oublié où il était par contre. Ah, c'est dommage. Vois-tu, ma vieille amie? Oh, c'est bleu, ça. Oh. On va nous parler de l'œil dedans. Où es-tu avec l'œil d'Odin ? Je progresse. Quand j'en connaîtrai les secrets, je te le dirai. J'aimerais voir tes marchandises.
Il ne peut pas acheter grand chose. Hein. Malheureusement. Puisse ceci t'être utile. Je n'ai besoin de rien. Dans ce cas, va-t'en. Ok. Bon bah, on est fini. Bizarrement, ça parlait d'une armure. Peut-être faut les médailles d'or, mais rien ne l'indique. Malheureusement. On a aussi une armure à collectionner dans les nouveaux raids fluviaux là qui ont été améliorés apparemment. Vaguement, putain. C'est la section de monnaie, donc y'a rien en gros. As-tu un contrat pour moi? J'ai des requêtes. La cible est plus. Puis-je voir tes marchandises? J'avais rien. Ah, ça c'est bien. Oh, laisse-moi te regarder. Splendide. De rien d'autre. Ça va aller. Je dois. Me relâcher. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Bizarre ce monde. Ok. Tu regrettes le choix que tu as fait ici.
prendre ça, j'ai jamais fait d'expé, non? Allez, l'autre pâle. Voilà, c'est une disparition. C'est plus chiant, la disparition. Je te remercie, l'ami. Et 5 opales qui vont bien. Ah, ils sont testés les nouveaux raids là du coup. Que dirais-tu d'un pillage ? On sait, y a personne ici.
Plus de toile. Youpi, j'ai un but. Eh ben, ça va du parcours. Comme d'âme. En vrai, ça, je fais ça.
quand même. Un beau butin. Qui sont quand ici? Ah ouais. Super beau butin. Ça va pas finir. Il me faut de l'aide. Putain, ici. Ok, 104. Enfin, la moitié des câbles.
On sait pas trop où aller, hein. Ouais, c'est là. Un coup de main par ici. Ici. Ouais, c'est quoi ce point rouge, hein? Ouais, c'est juste ça les rations.
Venom dir, Gripper. On a bien sur la carte, mais il y a un point jaune là-bas. On va aller voir. Il y a un grand, du milieu, et un point jaune. J'ai besoin d'un coup de main. Allez, il est vraiment du stuff. C'est fait. Retournons au navire. C'est sûr que c'est fait là. Bon, on va dire que c'est fait. Là, en fait. Je choper les 50 sur mortel dans la marchandise. Ici.
C'est bon, bâtard. On a ce qu'on voulait. Allons-y. Oh bah du coup, je me place. C'est pas. On peut se casser maintenant. Que dirais-tu d'un pillage ? Eh bon, on peut pas être d'avoir le déguisement envoyé dans le monde. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. On va terminer comme prévu le Mastery Challenge. Défi de maîtrise en français. Chose que je ne savais pas avant d'y aller. Je vous dis à plus tard.